Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting, bien sûr. Aujourd'hui, ben, j'avance sur la cascade. Voilà, j'arrive doucement mais sûrement à la fin. Il me reste une belle colonne à faire. Voilà, donc elle sera bientôt terminée. Alors aujourd'hui, vous verrez que je n'ai pas tout à fait fini mon carré que j'ai commencé parce que ben, ça a sonné à ma porte et j'avais mes petits-enfants à la porte. Voilà, donc j'ai tout laissé, j'ai arrêté. Donc vous comprendrez bien que ben, je ne pouvais pas continuer ma vidéo pendant que mes petits-enfants étaient là. C'était plus important que je m'occupe d'eux. Voilà, que je compte au lieu de continuer ma vidéo. Je ne pense pas que vous allez m'en vouloir pour ça. Donc voilà. Aujourd'hui, bon, il y a quand même un bon morceau de fait aujourd'hui. Oui, voilà. je suis coiffée avec un pétard aujourd'hui. Mais bon, comme d'habitude, hein. Il serait peut-être temps que j'aille chez le coiffeur, couper tout ça. Bah sinon, rien de spécial. J'espère que vous avez tous vu que ce matin, j'ai mis un nouveau concours sur la chaîne. Donc, j'ai appelé ça le concours surprise, puisque je vous en avais pas parlé avant. Voilà, donc c'est un concours qui est parrainé par la boutique Mes Petits Diams. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente et aller vous inscrire à ce concours parce qu'il y a un joli DP à gagner et un bon d'achat, voilà, pour à dépenser dans la boutique Mes Petits Diams. Voilà, donc ça c'était la première surprise que je vous avais dont je vous avais parlé dans les vidéos précédentes. Donc, la deuxième est sur le chemin. Donc, continuez à surveiller la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, ben, on est week-end, on est samedi. Donc, là, ce week-end, le week-end, c'est cool. Hein, pas grand-chose. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je verrai. Ce soir, je vous fais peut-être une vidéo. Si je suis pas trop fatiguée, je verrai. Sinon, je la ferai demain, mais bon, on verra. Sinon, bah, rien de spécial. Ce matin, bah, je suis retournée à Action pour aller voir bah, pour mon ami. Parce que la vendeuse d'Action m'avait dit qu'ils allaient recevoir aujourd'hui un nouvel arrivage de Diamond Painting. Et puis, ils ne l'ont pas eu. Voilà, donc comme la promo s'arrête mardi, je crois que c'est fini, ils n'en recevront plus, tout au moins pour la promo. Donc, bon, bah là, tant pis, c'est râpé, hein. Il ne restait plus qu'un seul kit dans le rayon. Tout avait été dévalisé. Donc bon bah tant pis là, comme la vendeuse m'a dit, elle est pas vraiment là, elle pense qu'il n'y en aura plus du tout avant que la promo se termine, puisque là bon ils auront un camion peut-être lundi ou mardi, mais il n'y aura pas de promo dedans normalement. Donc voilà, donc terminé pour les Diamond Painting cette semaine. J'ai même regardé, bon, j'ai regardé, j'ai jeté un œil, parce qu'ils ont déjà mis Noël dans le rayon, dans les rayons. Bon, alors j'aime bien parce qu'il y a Noël et Halloween en même temps. Bon, Halloween, je m'en fous, c'est une fête que j'aime pas. Donc ça, c'est, je m'en fiche un peu. Sauf que là, bon, je vais peut-être faire 2-3 cartes quand même d'Halloween, mais juste pour mettre sur ma page. Mais c'est vrai qu'Halloween, c'est pas. C'est une fête que j'aime pas. Je trouve aucun intérêt à cette fête. Je sais pas vous, mais je ne trouve aucun intérêt à cette fête. Bon, peut-être pour les enfants, venir chercher des bonbons chez les gens, mais voilà. Cette année, je ne sais pas comment ça va, comment
comment ça va se passer, puisque avec le problème du Covid, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui laissent leurs enfants aller frapper aux portes des gens connus ou inconnus, voilà, d'aller frapper aux portes pour avoir des bonbons. Je crois que cette année, on n'aura pas beaucoup d'enfants qui frapperont aux portes. Malgré que moi, j'en ai jamais beaucoup qui viennent frapper. Hein. J'en ai en moyenne 4-5 fois, on vient frapper à la porte et puis après, ça y est, c'est fini, il n'y en a plus qui frappent. Voilà. Donc, ouais, non. De toute façon, je vous dis, c'est une fête. Moi, j'achète des bonbons pour mes petits-enfants. Bon, j'achète un petit paquet que je mets à côté de ma porte s'il y a 2-3 enfants qui viennent frapper à la porte, mais c'est tout. Mais là, cette année, bon, j'achèterai mon petit paquet de bonbons quand même, au cas, mais je crois que cette année, il n'y aura pas d'enfants qui vont venir frapper aux portes. Je pense pas. Bon, ça se comprend, hein. Mais bon, j'irai apporter des bonbons à mes petits-enfants, comme je fais d'habitude. Et puis, puis c'est tout. Ouais, voilà, donc pour Halloween, je vais juste faire les cartes. J'ai d'ailleurs déjà préparé des petits tamponnages que je vais colorier. Vous voyez, petits tamponnages comme ça. C'est tout ce que je vais faire. Je vais les colorier, je vais faire des 2-3 cartes. Et puis, pour si j'ai des personnes que ça intéresse d'avoir des cartes pour Halloween. Mais vraiment, c'est tout. Je préfère Noël et Nouvel An. C'est beaucoup plus joyeux. Là, d'ailleurs, je vais commencer. J'ai des cartes. J'ai encore un gros lot de cartes. De Noël, Nouvel An, d'ailleurs, que je vais brader, parce que c'est les cartes de l'année dernière, que je vais brader sur ma page. Comme ça, là, je vais essayer de faire ça cette semaine ou la semaine prochaine, pour les personnes que ça intéresserait. Et je vais en refaire quelques nouvelles, là, dans les jours ou les 15 jours, 3 semaines qui suivent. Je vais refaire quelques cartes de Noël et Nouvel An. Voilà, mais bon, je ne vais pas en faire un tas extraordinaire, de toute façon, voilà. De toute façon, même ça, j'ai l'impression que ça se perd, les gens n'en voient plus de cartes non plus pour Noël, Nouvel An. Déjà, moi, je n'en reçois jamais, voilà, comme ça, je suis tranquille. Je ne reçois jamais aucune carte de Noël ni de Nouvel An. Bah déjà moi je n'ai que mes enfants et mes petits-enfants, donc ils sont à côté de chez moi, donc ils vont pas m'envoyer des cartes, et même donc comme je n'en reçois aucune, ben bah, voilà, non, c'est des choses qui se perdent, tout ça. Voilà, donc voilà mon petit blabla. Sinon, ben, j'avais un truc de prévu. Je pense pas que je vais le faire ce week-end. Je vais voir. Je sais pas. Là, je vais plutôt faire de la broderie ce week-end. Puisque j'ai terminé ma première étape du sale mystère que je suis en train de faire. Donc là, j'ai reçu la deuxième étape. Donc, j'ai commencé à la broder. Je suis en train de broder aussi ma deuxième broderie qui avance doucement aussi. Je vous remontrerai ce que ça, où j'en suis, si ça vous intéresse. Dites-le moi si ça vous intéresse que je vous montre, hein, au niveau des broderies. Et puis comme j'avais dit l'autre jour, je voudrais bien attaquer un pull ou deux pour cet hiver, parce que je n'ai plus de pull, et comme j'ai de la laine, bon, j'ai peut-être pas envie d'aller en acheter, j'ai peut-être envie de m'en faire un ou deux, je verrai. Donc voilà. Bon, je vous laisse donc visionner cette petite vidéo. Donc je vous dis, n'oubliez pas
d'aller participer au concours. Là, j'ai mis le concours ce matin à 8h. Il est 4h de l'après-midi et vous êtes déjà à plus de 80 participants. Voilà. Donc, pour un week-end, pour un samedi, c'est déjà super. Donc, vous avez 15 jours hein, pour participer jusqu'au 4 octobre minuit. Et je ferai le tirage au sort le 5 octobre. Voilà, comme d'habitude. Et puis, bon, de toute façon, mes concours, vous savez, hein, ça fonctionne comme d'habitude. Hein, je vous donne un petit numéro, il y aura le tirage au sort. Et puis après, je vous enverrai les kits. Pour le kit, puisque là, il y a un kit et un bon d'achat. J'enverrai le kit à la gagnante. Et le bon d'achat, je ferai ça en privé par le biais d'un email ou d'un message sur Facebook, suivant si la personne a mon Facebook ou pas. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis désolée, je n'ai pas terminé mon carré aujourd'hui. Mais bon. J'avais une bonne excuse, hein, mes petits-enfants, donc c'était quand même beaucoup plus important. je vous fais des gros gros bisous encore une fois, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude, et je vous souhaite un excellent week-end à tous, et je vous souhaite un bon visionnage maintenant. Bisous bisous, à bientôt.
Thank you.
Thank you.